Qu'est-ce que tu vas faire? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je viens relever votre compteur. Les économies, elles sont parties les économies. Que voulez-vous? Tout, tout, absolument tout. Un portefeuille garni de plus de 1000 francs. Carnet de chèques, carte bancaire, argent, bijoux, tout. Puis des louis d'or, enfin. J'ai plus d'argent. J'ai plus rien. Les souvenirs que j'ai, ce sont des souvenirs virtuels, puisque de toute façon, tout est parti. Moi, c'est Danny. Voici Max, Ludo. On cherche quelqu'un de sérieux. On veut pas travailler avec des bouffons, tu comprends? Il y a un paquet de baies à se faire. Bon, allez, c'est quoi votre affaire? D'abord, on repère des personnes du troisième âge. De préférence, des personnes seules. Ça marche aussi avec des handicapés. Des personnes dites vulnérables. Bonjour madame, j'ai un article qui pourrait intéresser votre mari. Ah, vous êtes veuve. Accepteriez-vous de répondre à un questionnaire, madame? Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Mon mari? Non, non monsieur, mon mari n'est plus là. Mon mari est décédé, je suis toute seule maintenant. C'est pour piquer les sacs à main, moi ça m'intéresse pas les mecs. Attends. Attends, tu nous laisses finir? On a un peu de respect envers Max, s'il te plaît. Tu nous vois braquer les vieilles femmes pour piquer leurs sacs à main? Tu nous prends pour qui? On n'est pas des sauvages. La confiance, Ludo. La confiance. On est là pour gagner leur confiance. Elles se méfient au départ, mais peuvent pas s'empêcher de nous faire entrer. Solitude égale crédulité. Vous avez un surplus de consommation, donc je voudrais voir si vous n'avez pas une fuite dans les toilettes ou sur les radiateurs, je sais pas trop. Alors, madame, vous pouvez le prendre... compteur d'eau est par là. Vous pouvez garage. M'amener au compteur d'eau? Oui, attendez, je prends la clé. D'accord. Non, allez, monsieur va vérifier les canalisations pendant ce temps-là. Bon. Alors là, mais là, c'est le compteur d'électricité, ça. Oui. Là. Ah, il est sous la trappe, là? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Ah, attendez. Il est profond, vous savez. Hop là. Oui. Ah. Vous savez, j'y vais jamais là-dedans. Non, bah j'imagine. J'imagine. Je vais demander un petit autographe, là. Juste la signer ici. Voilà. Pas de fuite chez vous, madame. Ah. Très bien. Allô? Oui, on a fini au 74, là. Oui, on arrive. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Oui, oui. Mais comme je vous dis, des personnes de 75 ou 80 ans, c'est dur à mettre dans la tête de dire on va mettre son argent à la poste ou je sais pas où. Vous avez touché au plomb, là? Non. Ils ont l'air décédés, les plombs. Vous voyez, toutes les infirmières neuves aussi. Ouais, mais c'est bizarre, hein, parce que vous savez, il y a des jeunes qui trafiquent leur compteur. Pour arrêter justement la consommation, parce que là, vous voyez, le plomb, là, il est un peu décédé. Hein. Vous voyez? Oui. Elle est bonne? Bah ouais, elle vient d'être refaite. Ah non, ça se voit, hein, c'est super. Super installation. Bah, moi, je vous dis ça parce qu'il y a des jeunes qui trafiquent leur compteur, vous voyez? Ah oui. Vous avez l'impression de ne plus être chez vous? Vous avez l'impression de ne plus être en sécurité nulle part. Et c'est ça qui est très inquiétant. Liquide, louis d'or, carnet de chèques, bon au trésor, livret de caisse d'épargne, des lingots d'or. Les vieilles personnes, elles peuvent pas s'empêcher de garder leurs économies chez elles. Elles ont pas confiance dans les banques. Chez les vieux, ils résistent, on fait quoi? C'est toujours le charpentier du coin qui me les fait. C'est pas le charpentier, monsieur, c'est juste, moi je suis spécialisé dans la termite. Si vous traitez pas le sous-sol, ça va monter à la charpente. Et là, c'est la maison qui s'écroule. Mmh. Ça prend une minute, et vous êtes tranquille pendant 6 mois, on n'en parle plus après. Je vous fais un prix. 200 euros. 200 ? 200. 200 euros en numéraire. Non, 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 merci. Je ne vous fais pas payer la TVA. Ça ne m'intéresse pas, après. Ah, merci. Merci, hein. Ah, bon, au revoir, monsieur. Pas, hein. Après. Au revoir. Après, au revoir, monsieur. Après, allez-y, allez-y. Allez-y. Au revoir, monsieur. Allez-y, allez-y. Allez-y.
Pas du tout agressif, non. Pas du tout, ni voulant forcer la porte, rentrer, ni dire quelque chose. Non, absolument pas. Je peux pas dire qu'il a été agressif. Non, parce qu'il parlait bien et tout. Hein. Le plus petit était très aimable. L'autre, il avait pas l'air très dégrossi. Hein. Surtout pas de violence. Si ça marche pas, on laisse tomber. Les victimes, c'est pas ce qui manque. La France vieillit, Ludo. La France vieillit. En 2050, les personnes du troisième âge représenteront 40% de la population. Oh, mais t'es gentil, en 2050, ça sera moi le pigeon, alors. Le problème avec cette méthode, c'est que celui qui fouille, il risque d'être surpris par la victime. C'est gênant. Pour arriver à la perfection, ce qu'il faut, c'est que la victime elle-même nous mène à ses économies. Ainsi, elle participe à son propre cambriolage. C'est mortel. C'est pour ça qu'il nous faut un troisième homme. On va s'essuyer les pieds, ça ne va pas faire de mal. Ça se trouve ici, monsieur. Ça se trouve ici. Voilà. D'accord. C'est pas jeune, hein? Ah non, d'accord, non. Bon, faut que je vérifie un petit peu tout ça. Vous êtes au gaz de ville aussi? Oui, monsieur. Et les GDF, ils sont passés? Oui, monsieur. Ils sont passés? Ils sont passés, oui. Quand? Oh, il y a à peu près un mois. Ils ont fait des trucs pour les normes européennes? Ils ont changé non, le compteur, non, quelque non, chose? Non, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Rien, ils ont relevé le compteur et c'est tout. Ah, c'est tout que pour... C'est tout. Là, vous allez avoir certainement une autre visite pour justement pour se mettre aux normes européennes. Ah bon? Bon, attendez, jetez un œil. Je vais vérifier un peu les prises, tout ça. Ce que je vais vous demander, c'est... pour que je m'électrocute, surtout. C'est si, au moment où je vous le demande, c'est de disjoncter. Ah bon? Voilà. D'accord, ouais. Vous pourrez le faire? Oui. Je préfère parce que vraiment, c'est pour moi. Bon. Ok, bon, on va s'y mettre. Et vous êtes près du compteur, là, madame? Oui, monsieur. Voilà, vous bougez pas, hein, surtout. Parce que là, faut qu'on voit. Je peux déplacer la plante? Faites attention, monsieur, hein. On va faire ça, on va faire attention. Là. Bon. Bah ça ira, ça, c'est pas vraiment la peine en vérité. C'est pas la peine de couper. Non, ça va, ça s'est bien passé. Ouais. Pour ce qui est du courrier, je vous demanderai quand même de regarder si vous l'avez pas reçu. Car il pourrait y avoir un oubli, je sais pas, ça arrive oui, à tout le monde, moi-même ça m'arrive. Donc, et voilà quoi. Bonne journée. Une belle maison en tout cas. Merci. Ils paraissent très sûrs d'eux. Donc évidemment. Même si vous avez un doute, vous l'avez ce doute, mais c'est tout, vous ne le concrétisez pas. Police nationale, madame. Bonjour. Police nationale, que se passe-t-il? On vient d'interpeller un suspect qui sortait de votre domicile, excusez-moi. Est-ce que cet objet vous appartient, madame? Mais oui, monsieur. Il a sûrement dérobé d'autres objets, madame. Il voulait que je les mène à une cachette, certainement. Moi, je dis pourvu qu'il n'eût pas été dans l'armoire et puis que j'ai pris ma boîte. Vous mettez où vos économies? Bah, c'est-à-dire, les économies sont mises dans le dodane. Ne touchez surtout pas, madame, pour les emprunts, parce qu'il a sûrement fouillé dans votre secrétaire. Hein. Est-ce que vous avez un linge mouillé? Oui, je vais vous. Oui, je vais faire. C'est pour les empreintes. C'est pour la police scientifique qui analyse les empreintes. D'accord. Donc, on va emballer vos objets de valeur. Oui. On les emmène. Oui. Et vous venez au commissariat les récupérer. D'accord. Pour signer votre déposition. Au commissariat, ici, avec la gendarmerie. Oui, la gendarmerie. La gendarmerie. Évidemment, d'accord. La gendarmerie. Je reste ici, hein. Et ça vous appartient? Sont mes clés. Oui, elles étaient dehors, madame. Elles étaient dehors, sur le dehors, rebord de la sur fenêtre. Sur le rebord de la fenêtre, madame, oui. Vous voyez? D'après mon expérience, vous avez vraiment l'impression d'un viol, hein. Vous pouvez mouiller le oui, torchon, monsieur. S'il vous plaît? Légèrement, hein. Très bien. Non, je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus, il s'est passé tout un tas de choses dans ma tête. Ouais. Voilà. C'est la troisième personne âgée dans la zone qui se fait avoir comme ça, madame. La prochaine fois, n'ouvrez pas des inconnus. Je vous le redis. Oui, d'accord. D'accord. Oui. Hein? Oui, je vous remercie. Quand quelqu'un vous rend des choses qui vous appartiennent, dont vous n'êtes même pas aperçu de la disparition, vous dites merci. Excusez-moi, madame. Je voulais vous demander, est-ce que vous savez s'il y a d'autres personnes dans votre situation? C'est-à-dire des personnes seules? Oui, c'est oui. Ça. Là, juste en face, la il y a une petite maison devant que les volets sont fermés. Oui. Est-ce qu'elle a un chien?
Ah oui, elle a un chien. Oui. Un gros, un petit comme vous? Oh, non, plus gros, à peu près comme ça. D'accord, très bien. Mmh. Je vous remercie, madame. Merci bien. Ils sont très crédibles. Pourquoi vous êtes en civil, monsieur? Parce que, si vous voulez, quand on interpelle des gens dans la rue, on ne porte pas un uniforme, sinon ils nous repéraient tout de suite, madame. Oui, bien sûr. Donc, on est obligé d'être en civil. Oui, d'accord. Donc, on les interpelle au carrefour, on les attend et on met juste le brassard juste au dernier moment. Juste le brassard, oui, d'accord. Juste au dernier moment. Oui, mais à ce moment-là, on se demande si c'est vraiment la police ou pas la police. C'est police. C'est pour ça qu'on a une carte, madame. D'accord, oui. Oui, d'accord, police, mais quand on vous voit comme ça, on dit, est-ce que c'est vraiment... Vous nous prenez pour des malfrats. Bonjour madame, je suis votre nouveau voisin. Rénovation de la toiture. Pipo, il s'appelle Pipo. Bonjour monsieur. Bonjour madame, j'ai mon petit chat qui est chez vous. Ah bon? Mais dites... C'est très important, excusez-moi, pardon. Pipo! Ça vous dérange pas si je regarde? Bah non, entrez, regardez. Merci, très bien, pardon, excusez-moi. Je l'ai pas vu pourtant. Ah bah pourtant il a dû rentrer par une fenêtre, je sais pas. Que je vous fasse un chèque. Je préférais du liquide, mais si vous voulez. Du liquide, je n'ai pas d'argent chez moi. Bon, bah alors un chèque, alors. Vous voulez que je le remplisse? Je veux bien, si vous voulez. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Bah, écoutez, je vous remercie, madame. Vous avez de la chance. 500 euros, madame. Je vous fais un prix d'habit. 1400 euros, on a compte. Est-ce que cet objet vous appartient, madame? Oui, monsieur, ça m'appartient. Partez pas si vite. Vous n'êtes pas toute seule, madame. Vous n'êtes pas toute seule, vous savez, à vous faire avoir. Imagine qu'on soit s'arrêter. Ils ont du mal à recouper les victimes. Les personnes âgées. Elles rechignent à venir témoigner au tribunal. Elles ont les trouilles. Elles ont peur. Je deviens plus méfiante à l'avenir. Et justement, j'exhorte les gens qui ont mon âge, et ou plus âgés, de se méfier de tous les visiteurs, même s'ils leur rendent leurs affaires. C'est pas possible. Ah. Les poursuites d'avis. Ah si, vous avez dû recevoir un avis, madame. Oui, on a envoyé des courriers à tout le monde. C'est pas de moi, je regrette. Je vais téléphoner à la compagnie des eaux pour savoir si vraiment vous êtes accrédité pour ça. Oui, j'ai ma carte, là. Oui, d'accord, vous avez votre carte, mais quand même, j'aurais préféré avoir un avis de la compagnie des eaux. Si vous insistez, je peux pas... L'avis a été posté, madame, il y a un problème informatique. Ah ben oui, mais je l'ai perçu, alors. C'est pas la peine d'insister, je n'ai pas confiance en vous, c'est tout. Garder son sang-froid, puis réagir assez vite. Parce que dans leurs paroles, on comprend tout de suite des propos. Qu'ils sont malsains, quoi. Oui, non, mais non. On est là pour vérifier, parce qu'il faut qu'on accrédite le compteur aux normes européennes. D'autant plus qu'il faut que vous rentriez chez moi et que vous voyez partout. Non, écoutez, moi, si vous insistez trop... Téléphoner aux gendarmes, parce que là, vraiment, avec tout ce qui se passe maintenant... Normalement... N'insistez pas, je vous dis, je vais appeler la police. Non, très bien, madame. Ils sentent, d'après l'attitude de la personne, qu'on ne veut pas engager conversation et que c'est inutile, qu'ils ont perdu, ils n'arriveront pas. Ça, c'est certain qu'ils ont une intuition, quand même. Gendarmerie nationale, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Oui. Est-ce qu'il se soit introduit chez vous, madame? Oh,
pas. C'est bon là. C'est bon, messieurs. Ah, celui-là, ne bougeait plus. Ils ont du mal à recouper les victimes. Les personnes âgées, elles rechignent à venir témoigner au tribunal. Elles ont les trouilles. Elles ont peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est un petit carton que j'ai mis pour... Parce que mon chien... C'est vous qui avez mis un petit carton comme ça? Ah, j'ai demandé l'autorisation. À qui? Au monsieur qui s'occupe des compteurs. Qui? Vous avez l'humidité, là-haut, là? Ça, c'est des infiltrations, mais hein? Vous avez m'embêté comme ça longtemps. Fermez-moi cette porte. Écoutez, excusez-moi, mais je fais mon travail. C'est tout. C'est mon canard. C'est à vous. Donc on peut vérifier s'il n'a pas dérobé d'autres objets? J'y crois pas. Hein. Merci, madame. J'hallucine. Hein. Pourquoi qu'il est parti, non, lui? Marie, attendez, madame, je vous parle. Je vous parle, moi, je vous parle de vos amis. Oui, mais pendant ce temps-là, l'autre, il file. Non, madame, il file parce qu'il y a la police scientifique, madame. La police scientifique, elle n'attend pas. C'est elle qui va relever les analyses et les empreintes. Elle n'attend pas, la police scientifique. Je suis désolé, madame.